Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de guêpe germanique ou vulgaris. Ça, on va voir sur place si on peut voir le petit point ou les trois petits points ou le trait. On est sur la maison qu'il y a derrière moi là. Je sais pas si vous voyez. Sur façade, vous allez voir, il y a une boule extérieure. J'ai vu qu'il y avait quelques frelons asiatiques qui venaient chasser la guêpe. Donc, si on peut filmer ça, ben, ça serait cool. Je vais m'habiller, vous montrer ça et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va monter voir ça. Donc, travail en hauteur sur une échelle. Donc, il faut faire vraiment, vraiment attention. Bien caler son échelle. Je vais vous montrer ça. On voit quelques frelons asiatiques s'attaquer aux guêpes. Ça s'attaque pas que aux abeilles. Allez, je vais tourner l'écran. Ranger le stylet. Vous voyez les frelons asiatiques sur le nid de guêpe? Regardez-moi les guêpes. Devant l'entrée, ils attendent. On voit que les guêpes ne bougent pas trop. On peur des frelons. C'est vraiment dommage. Alors, ils se posent directement sur le nid. Je vais me régaler. Bon, ben là, on va envoyer la poudre. Il y a deux entrées principales. Il faut faire très doucement parce qu'on est en équilibre. Et un peu de ce côté. D'après moi, derrière le nid, il doit y avoir un trou. Donc les frelons, ben, ils sont plus là. Ils sont dit merde, il y a des frelons avec sa poudre. On se casse. Par contre, j'entends des guêpes arriver derrière. Allez, on va découper le nid. On va voir ce que ça donne.
fait, je sais pas si vous voyez, mais ici là, il y a un trou dans le mur. Les dédés, allez, on redescend, on laisse agir. Bon. Maintenant, ben, les guêpes vont mourir. Les frelons, ben, il doit y avoir un nid de frelons asiatiques pas loin, donc où, mais je sais pas. Il y a du bois partout. Je vais replier le matériel. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça change du frelon. On est sur de la guêpe germanique ou bulgariste. Je vous avoue, j'ai pas eu, avec la combinaison, la possibilité de voir leur visage. On verra dans les ralentis de vidéo, peut-être. Mais c'est tellement petit comme une guêpe que bon, faut avoir des bons yeux. Quoi. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les dédés. Quoi, t'es pas abonné à Dédé Frelon? Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Oh,